Bienvenue à la Fondation L'Abeille et le Chêne. Moi, je m'appelle Johanna. Je développe ici une forêt nourricière et j'ai à cœur d'accueillir des gens sur le terrain. Donc en fait, je suis rentrée en Belgique en 2014 et j'ai rencontré Michel, qui avait envie d'investir dans un projet pour préserver la biodiversité. Et on a enfin trouvé, au bout d'un an, ce terrain ici en Famène. Une fois qu'on a eu trouvé le terrain, on a rassemblé des gens et on a créé la fondation L'Abeille et le Chêne. C'est Michel donc, qui a acheté les terres et il a fait un bail emphytéotique de 99 ans à la fondation qui permet de préserver ces terres de tout autre projet qui ne serait pas environnemental, qui n'aurait pas les mêmes valeurs que notre projet. Bonjour, je suis Alexandre Pochet, maraîcher boulanger à Our. Hoi, ik ben Griet. Sinds 1 jaar draag ik mee zorg voor het land samen met Alex en Johanna. Een land waar we mogen wonen, maar ook waar we mogen creëren. Ik hou ontzettend van het creëren van diversiteit. Depuis 2017, c'est plus de 50 arbres, 200 mètres de haies qui ont été plantés et 47 arts de légumes cultivés ici au Jardin d'Amour. Notre souhait en arrivant ici était de créer plus de biodiversité, ainsi que de cultiver la terre dans le respect de celle-ci. Pour cela, nous avons créé des mares, canalisé l'eau, couvert nos sols et travaillé un maximum avec nos semences. Malgré toutes ces différentes techniques, le manque d'eau s'est vite fait ressentir, surtout après des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Les cultures sont en stress et les récoltes s'en ressentent. Et c'est tout un tissu social qui s'est créé au fil des années autour de notre activité. Of daarom is een extra water op het land enorm cruciaal. Zowel voor ons als voor het leven rondom ons en hopen wij op jullie te kunnen rekenen. Dankjewel. Donc pour pouvoir continuer notre projet et vibrer tout ce qu'on aime, eh bien il nous faut plus de moyens. Si on veut que notre projet se stabilise, soit pérenne, il faut vraiment faire un forage, il faut creuser un forage à plusieurs dizaines de mètres pour enfin avoir de l'eau sur notre joli terrain d'amour. Vos moyens, si vous avez envie que ce genre de projet puisse se développer dans votre village, votre commune, votre pays. Le crowdfunding va servir à forer un puits qui va amener l'eau sur ce terrain. Nous avons décidé de faire appel à vous via ce crowdfunding car il nous est impossible, hélas, de financer avec nos fonds propres ce forage. Les banques ne nous suivent pas et nous ne sommes éligibles à aucune prime. Nous avons besoin de vous.